Bonjour et bienvenue sur le site de Saint-Mathieu. Derrière moi, vous voyez ces magnifiques vestiges de l'abbaye du XIe siècle. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est le phare de Saint-Mathieu. À ma gauche, et je vous invite à me suivre. C'est un phare tournant. Évidemment, donc sur un vin de mercure, et vous avez une lampe de 250 watts en halogène. Caractéristique qu'il y a sur ce phare ici aussi, vous avez aussi deux panneaux là, qui servaient aussi pour les avions à l'époque de repère pendant la nuit. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote assez récente. En juillet 2019, il y a eu une intervention des phares et balises pour moderniser le système de rotation de la lentille. Et après leur intervention, le sens de rotation de la lentille a été inversé. Il n'en fallait pas plus pour perturber les plus gonvillois, donc les locaux, les riverains qui m'ont appelé nous disant « Est-ce que c'est bien le phare qui a changé de sens de rotation ou est-ce que c'était eux qui perdaient la tête ?» Donc comme quoi les phares sont observés par les marins, mais aussi par les terriens.